Hein? Ça va encore tes cours de peinture, Van Gogh? Van Gogh, pas. Ça se prononce Van Gogh. Ben oui, ben oui, c'est ça. La prochaine fois que j'irai à Sherbrooke, je passerai par Magog au lieu de Magog. Ben, ben drôle. Mais c'est quoi encore ces idées de moumoune-là, là? Hein? Comment ça, des idées de moumoune? Non, mais c'est vrai, tant qu'à faire de la peinture, tu pourrais être plus constructif, faire ça au rouleau, tu sais. Oh. Ben oui, évidemment, toi. Je te demandais de me nommer un grand nom de la peinture, tu me répondrais probablement Benjamin Moore. Tu sauras qu'il a fait de très belles choses, OK? Hey, ça se peut-tu? Non, mais ça va être quoi la prochaine niaiserie, là? Hein? De l'émail sur cuivre? De la poterie? Non, non. Arrangement floral. Hmm? Ah, tu vois, j'y avais pas pensé, là, mais maintenant que t'en parles. Non, mais c'est vrai, c'est pas des activités pour des gars de ton âge, ça. Ah non! Non, non, c'est bon pour les petites madames qui s'ennuient de seules à la maison avec des ménopauses. De toute façon, père, je te demande pas de comprendre. Mais j'aimerais ça comprendre, justement, parce que je vois vraiment pas ce qui est plaisir là-dedans. Ouais? Oh, mais regarde. J'ai fait ça l'autre jour. Hmm? Tu vois, le trip, là, c'est de réussir à transposer les jeux d'ombre puis de lumière. Après ça, on peut... Hey, je t'arrête, là. Elle est tout nu, ce fille-là? Ouais, ben, il arrive assez souvent qu'on fasse du nu. La fille, elle se déshabille, elle reste devant toi comme ça, là. Ouais, ouais, puis des fois, elle peut poser pendant des heures. Tu sais, garçon, tantôt, c'était juste des farces que je faisais, hein? J'ai toujours trouvé que c'est important dans la vie de pouvoir s'exprimer d'une manière artistique, tu sais. Ils doivent donner des cours de soir à cette école-là. Peut-être que je m'inscrirais. Ah, oh, Nico, tant mieux, t'es pas parti. Non, pourquoi? Tu voulais me parler? Oui, ben j'ai pensé à ce que tu m'as dit, puis ben ça me tente. Ah, bon, ben OK. Ben je te laisserai le numéro de téléphone de mon prof. Ben. Tu veux suivre des cours de peinture? Non, je veux me faire engager comme modèle. Ça là, c'est assez payant. Comme modèle tout nu? Quoi? C'est correct, c'est de l'or! De l'or, de l'or, mais t'en fais de l'or, mais il n'est pas question que tu fasses ça. Si tu te lèves, Mélanie Charest? Qu'est-ce qu'il prend? Ah, ben, il a peut-être peur que tu rencontres quelqu'un que tu connais, hein? Écoutez, j'aurais une annonce importante à vous faire. Vas-y, shoot. Bon, bien sûr, je préfère vous mettre au courant tout de suite plutôt que de vous mettre devant le fait accompli. Ah, ben, c'est gentil. J'ai pris une décision qui pourrait affecter tout le bureau. Dans la mesure où, pour quelques années, j'aurais moins de temps à consacrer à mon travail, de telle sorte que je serais moins présent ici. Ah, c'est une bonne nouvelle. Quand est-ce que tu pars? Ben là, ça va se faire graduellement au fur et à mesure que mon entraînement va s'intensifier. Ton entraînement? Oui, oui, oui. Je compte me qualifier au sein de l'équipe nationale et défendre les couleurs du Canada aux prochains Jeux olympiques d'hiver. Dieu, dans une discipline qui est peut-être celle qui exalte le mieux l'idéal olympique. Celle où le dépassement surhumain qui est exigé de l'athlète confère automatiquement à celui qui triomphe le titre de dieu du stade. Mais c'est quoi? Le bridge! T'es sûr que tu ne préférerais pas que je sois nu? Et dit, je suis vraiment sûr, OK? Bon, tu bouges pas, là, hein? De toute façon, je viens juste de barrer, là. Ouais, mais t'aurais pu faire un effort, quand même, hein? Sais-tu, je sais que mon prof s'en vient voir mon travail. Bon, c'est quoi, le problème, là? Mais t'es maudite vieille guenée crottée qui sèche, là. Mais t'avais juste à pas venir le jour du lavage. Ah! Nicolas! Donc, c'est bien ici. Ben oui. Désolé de vous avoir donné rendez-vous ici, hein, mais j'ai pas d'autre place. Oh, mais rassure-toi, ça correspond exactement à ce que doit être un atelier de peintre. Ah bon? Oui, dès qu'on y entre, on est pris d'une prodigieuse envie d'y mourir incompris, alcoolique et misérable. Génial! Ah, oh, ben là, exagérez pas non plus, hein. C'est juste un portrait de mon ami que je viens à peine de commencer. Ah non! Ça, c'est de la merde!
Mais ça, par contre! Ça? C'est toi qui l'as fait? Non, c'est moi. Enchanté. Je m'appelle Yuri. En plus d'être professeur pour gagner ma vie, je suis critique d'art. Enchanté. Je m'appelle Germain. En plus d'être garagiste pour gagner ma vie, je suis une nature morte. Ah, c'est correct, là, Germain, tu peux bouger. Germain, j'ai rarement senti une telle force dégagée d'une œuvre dont on comprend qu'elle résulte d'un processus sans compromis, du moins au point de vue intellectuel, visant à atteindre l'abstraction ultime. Quel a été le point de départ de votre démarche artistique? J'avais les mains sales et je me les suis torchées. Est-ce à dire que vous n'étiez pas conscient que vous faisiez de l'art? Devine. Est-ce également à dire qu'on ferait face ici au premier cas d'art naïf abstrait? Là, il m'est déjà arrivé d'être naïf, mais en général, c'est toujours très, très concret. Mais oui, mais là, c'est des guenilles! Oui? Avec des taches d'huile à moteur! Oui, je sais. Puis c'est ça que vous appelez de l'art moderne? Ah non, quand même. Non, il manque un petit quelque chose pour qu'on puisse qualifier ça d'art moderne. Ah oui? Bon, enfin! Qu'est-ce qui manque? Une subvention. Une subvention? Oui, mais inquiétez-vous pas. J'ai plein d'amis au Conseil des arts. Enfiler ça jusqu'au cou à Gondon. De quoi tu parles? Ben, de la façon dont t'es attriqué. Oh, mon maillot! Ben ça, c'est parce que j'ai commencé mon entraînement. Ben oui, mais... Pour du bridge, je tiens à te le rappeler. Ben justement, c'est beaucoup plus aérodynamique pour brasser les cartes. Ben, Jean-Louis, c'est un jeu, pas un sport. Hey, je te ferai remarquer que c'était en démonstration à Salt Lake City. Oui. Puis ils ont parfaitement démontré que ça va pas d'affaire là. Oh, je sais que ça a l'air, à première vue, moins excitant que certains sports-spectacles présents aux Jeux d'hiver et qui sont là uniquement pour satisfaire un public avide de sensations fortes. Comme le hockey. Ah, c'est drôle, moi je pensais plus au curling. Qu'est-ce que t'as décrit dans le dos? Ah, ça, c'est mon commanditaire. C'est une compagnie qui considère que le bridge d'élite est une excellente vitrine pour son public cible. Quelle compagnie? Les salons funéraires Urgel Dallaire. C'est vieille guenille sale. Moi. Encadré. Moi. Que c'est rendu que Yuri veut y organiser une exposition, toi, chose. Mais c'est bien niaiseux. Tu sais, puis comment je me sens, moi, là-dedans? Hein? Pourquoi je continuerais de me faire en enquête pour faire quelque chose de beau à cette heure que la graisse à moteur est sur le point de faire son entrée dans les musées? Hé, hey, tout le monde! Hein, Van Gogh? Van Gogh, Denis. Faut dire Van Gogh. Encore un autre. Mes chers amis, permettez-moi de passer quelques heures en votre compagnie en attendant que l'air de mon atelier redevienne respirant. Ton atelier? Ouais, anciennement mon garage. Mais pourquoi l'air est plus respirable? Ben, Yuri, mon agent, m'a convaincu de l'absolue nécessité de faire un vernissage. C'est quoi le rapport, là? Ben, j'ai passé mes planchers au verre à tanne. Germain, il parlait de vernissage dans le sens de l'ouverture d'une exposition. Ah oui? Ah ouais. Je le savais aussi, ouais, on dort. Ouais, si j'aurais vraiment verni mes planchers. Franchement. Je peux-tu rester pareil? 8 de trèfle. Ah, valet de carreau.
Dame de pique. Presque, dame de cœur. Louis, qu'est-ce que tu fais pour l'amour? De la visualisation. C'est très courant chez les athlètes d'élite. Ah oui! Mais j'imagine que ça doit s'appliquer, ça, en gestion des ressources humaines en entreprise. Ah, j'imagine, oui. Ah, deux de pique. Ah, je l'ai eu! Bédron. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là du premier exemple en histoire de l'art de ce qu'on pourrait qualifier de naïf abstrait. Notez l'imposant volume de cette tâche, juste ici. J'en avais jusqu'au coude. Masse contrastant avec la finesse de ces minuscules arabesques, juste là. Ça, c'est les petits grumeaux que j'avais en dessous des ongles. Huile sur toile, me demanderez-vous. Eh bien non, valvoline sur torchon. Remarquez également l'intérêt que représente l'évolution et la progression de l'œuvre. Oui, car si Picasso a déjà eu sa période bleue, on pourrait dire que moi, j'ai eu ma période 10W30. Bon, on est rendu. Hey, c'est ridicule. Des guenilles! Allô! Merci d'être venu. Ben, tout le plaisir est pour nous. Servez-vous, je vous en prie. C'est sur le bras des contribuables. Ça a l'air de bien aller, ton affaire. Ah, je comprends, Mélanie. Mais tu sais, c'est tellement rassurant pour un artiste de trouver un public qui comprend ton œuvre. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Ben, c'est ça qu'ils disent, eux autres. Là. Moi, je comprends rien, mais eux autres, ça a l'air que oui. Bon, ben, tant mieux pour toi. Ben, j'ai même réussi une vente. Bravo. Ouais, il y a quelqu'un qui a réussi à me faire me séparer d'une œuvre à laquelle je tenais particulièrement. Impression de casserole au soleil levant. Combien? 5 000. Hein? 5 000 $ pour une guenille sale? Oui, ouais, mais signé. J'espère que tu vas pas t'enflatter avec ça, là. Oh, Denis, inquiète-toi pas. Notre amitié sera toujours aussi importante pour moi. Ça me rassure. D'ailleurs, je pensais descendre dans les cantons de l'Est en fin de semaine. Pourquoi n'irions-nous pas veiller à Mago? Jean-Louis, t'es encore là? Ça a bien l'air, oui. Ben oui, mais il est passé 5 ans, c'est pas ton genre. Ben, t'es encore là, toi aussi. Puis je t'en pose-tu des questions, moi? Ah oui, mais moi, c'est parce que j'attends que le trafic passe, puis après ça, je voulais terminer des choses. Hey! Je viens de te dire que je te posais pas de questions. Ça fait que viens pas me baver en me donnant des réponses. T'as bien l'air stressé, toi. Hein? Ah, peut-être un petit peu, là. Puis, c'est quoi tu bois, là? C'est-tu pour te détendre? Non, c'est pour me donner de l'énergie. Ça fait partie de mon entraînement. Ça s'appelle Super Énervex. C'est un cocktail tonifiant composé de spiruline, de gelée royale puis d'un paquet d'autres affaires. Bref, un autre excellent produit, Adrien Gagné. Puis ça marche? Hein? Ben, t'as pas vu l'annonce? Hey, on voit un homme de 73 ans dans l'annonce qui lance sa boule de bowling avec la même fluidité que s'il avait 71 ans. Pourquoi tu prends ça? Ben, tous les joueurs de bridge de haut niveau le font. Ben, c'est peut-être pas parce qu'ils jouent au bridge, c'est peut-être juste parce qu'ils sont vieux. Ben là, peu importe, là, je vais être à la hauteur du défi qui m'attend. Parce que je viens d'apprendre qu'en fin de semaine, Mme Giroux et moi, on affronte Monsieur et Mme Grondin en 8e de finale régionale. Puis? Ben, hey, figure-toi donc que c'est les Flyers de Philadelphie du bridge. Ils n'hésitent jamais à recourir à l'intimidation. De l'intimidation au bridge? Ben, certainement. Combien de fois Mme Grondin a-t-elle failli crever les yeux de ses adversaires en distribuant ses cartes? Pourtant, la Fédération nationale ne vit pas contre elle, acceptant naïvement l'excuse de son Parkinson. Ah! Germain, t'es là. Écoute, ça a très bien été le vernissage. Et d'ailleurs, je veux dire que... Qu'est-ce que tu fais là? De l'art?
Comment ça, tu fais de l'art? Ben, j'éprouvais, comme qui dirait, le syndrome de la guenille blanche, alors je me suis mis à l'huile sur toile. Oh ben non, là! Mais quoi, non? C'est parce que là, tu fais de l'art consciemment. Puis? Donc, c'est plus de l'art naïf? Ça veut dire que tes guenilles sales, c'est plus de l'art. Mais c'est quoi, d'abord? C'est des guenilles sales! Écoutez, j'aurais une annonce importante à vous faire. Encore? Oui. Afin de vous mettre, vous et la compagnie, à l'abri de la disgrâce qui pèse sur moi, j'aimerais remettre ma démission. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ma partie de bridge en fin de semaine. T'as perdu? Oh non, au contraire. Madame Giroux et moi, on a crémé les grondins d'aplomb. Fait que c'est quoi le problème, là? J'ai été testé positif au Jingo Biloba. Hé, hey, Romain! Non, Denis! Ne t'approche point! Je suis maudit! Ouais, alors... Mais... Je suis un artiste maudit! Yuri me l'a confirmé! Mon œuvre sera incomprise si moi-même je la comprends. Et cette prise de conscience a fait foirer ma carrière. Mais voyons, jamais. Nenny, Denis! Et d'ailleurs, je vais procéder moi aussi à l'ablation par laquelle Van Gogh s'est rendu célèbre. Les nerfs, Germain, là? Non, désormais, appelle-moi Hermain. Comment ça, Hermain? Mais je viens de te le dire, je vais procéder moi aussi à l'ablation par laquelle Van Gogh s'est rendu célèbre. Tu vas te couper une oreille? Mais pourquoi je me couperais l'oreille? Parce que Van Gogh, ce qu'il a fait, c'est couper une oreille. T'es sûr? Hein? Shit, je pensais qu'il avait juste coupé la lettre G dans son nom, moi. Van Gogh, Van Gogh, tu sais. Ah. Je voulais faire pareil, moi, Germain, Hermain. Là, tu te couperas pas l'oreille. Mais t'es-tu malade? Fait que t'as réengagé Jean-Louis. Ouais, il rentre travailler ce matin, là. C'est un beau geste de ta part, ça, Roxane. Ah, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, moi. Depuis quand? Bon, j'avoue, là. Hein, j'ai profité de son sentiment de culpabilité pour le réengager une fraction de son salaire. Franchement, tout ce qu'il a fait, c'est de forcer un petit peu trop sur un stimulant pour petit vieux. Ah, il est quand même devenu le Ben Johnson du bridge. Bonjour tout le monde! Oh, allô Jean-Louis, je suis contente de te revoir. Oh, et moi aussi. Puis Roxane, merci d'avoir accepté de me réintégrer. Je t'en serai éternellement reconnaissant. J'espère. Oui, je suis d'autant plus heureux que ces derniers temps ont été un véritable enfer pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, eh bien, tel un boxeur déchu, j'ai exhibé ce qui restait de mes talents de joueur de cartes dans des conditions dégradantes qui m'ont fait sentir comme une bête de foire. Oh, pauvre petit pire! Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai même atteint le fond du baril en acceptant de jouer à des parties de bridge extrême. Bridge extrême, c'est quoi ça? Alors ça, ils organisent ça à Kanawaki parce qu'ils n'ont pas le droit ailleurs. C'est des parties de bridge où tous les coups sont permis. Coups de poker, coups de canasta, coups de 500. Les plus vicieux vont même jusqu'à jouer des coups de pisseuse. Tu peux oublier tout ça maintenant, là, c'est fini. Oh oui, Dieu merci. D'ailleurs, j'ai pris la résolution de plus jamais toucher un paquet de cartes de ma vie. Bon, bonne affaire, ça. Oui, d'autant plus que j'ai réorienté ma carrière sportive vers une toute nouvelle discipline qui, dans la foulée du bridge et de la danse sociale, devrait logiquement se retrouver aux Olympiques sous peu. Oh, quelle nouvelle discipline? Ça s'appelle le triathlon grabataire. Comme son nom l'indique, c'est composé de trois disciplines. Les poches, les pichenottes et la philatélie. Hé, hey, Romain! Hé, hey, Denis! Une petite fête, mon Denis! Oui, donc. Et donc, tu fais-tu ton ménage? Oui, Denis! Dans mon garage comme dans ma vie. Comment ça? Eh bien, vois-tu, mon voyage au pays de l'art moderne aura au moins eu le mérite de m'avoir fait réfléchir. Réfléchir à quoi? Eh bien, au fait que l'œuvre de ma vie se trouve ailleurs, pudiquement dissimulée sous le hood du quotidien.
Dans ces petites choses que sont une spatplug bien vissée, une lubrification attentive ou le sourire sur le visage d'un client satisfait. Tu sais, Denis, nul n'a besoin d'être au musée pour être un artiste à sa façon. Je suis content de t'avoir réagi comme ça. Ah! Germain! Ben, le voilà, lui. T'as décidé d'être essayé chez les Kleenex usagés? Non, voyons, je viens pour mon auto. Germain, aurais-tu le temps pour un changement d'huile? Bon, ouais, ça devrait, oui. Génial! Quoi ça? La sculpture ici! Ça, une sculpture? Oui! Ça ressemble à du Armand Vaillancourt, mais à la fois en plus audacieux et en plus achevé. Ah! Oh. Germain, il faut organiser une expo!